Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Nous avons placé dans notre showroom un nouveau shop in the shop. Bora, vous connaissez la marque si vous suivez un peu tout ça. On a déjà fait des vidéos à ce sujet sur nos réseaux sociaux. Vous avez des posts et des stories au sujet de Bora. On a placé Basic, Professionnel et Classique. Ça, c'est les trois modèles qui existent. Tout ça est installé et fonctionne. Mais on va répondre à 5 questions qui sont fréquemment posées par nos clients qui souhaitent acquérir du Bora. Comme ça, on vous fait partager notre expérience, nos réponses. C'est parti. Première question fréquemment posée. Comment nettoyer ma hotte, mon élément aspirant de la gamme professionnelle? Regardez bien, c'est super facile et tout va au lave-vaisselle. Un. Deux. Et 3, c'est le réceptacle d'eau en cas de débordement pour éviter que tout parte dans les conduits. Le filtre, tout ça va à la vaisselle, ainsi que le clapet de fermeture. Pour les remettre, quand tout ça est bien sec après le lave-vaisselle, vous remettez le réceptacle du fond, le filtre, vous poussez et votre hotte se referme. Deuxième question, quelle est la profondeur nécessaire pour votre tac de cuisson Bora? Pour la gamme Basic, vous avez besoin de 60 cm de profondeur. Pour la gamme professionnelle et classique, vous avez besoin de 75 ou 75 cm pour nos amis français de profondeur. Troisième question, comment évacuer l'air de mon dispositif aspirant Bora? Vous avez deux solutions. Soit vous le faites en recyclage, c'est-à-dire en circuit interne avec des filtres à charbon actif, ou le plus simple, vous évacuez vers l'extérieur via un trou dans votre mur. On met une grille à l'extérieur. Donc deux systèmes d'évacuation, recyclage ou évacuation vers l'extérieur. Tout est possible. Quatrième question, quelle hauteur maximale de casserole je peux utiliser? Alors, 30 cm est le maximum. On vous conseille à ce moment-là d'avoir un couvercle qui dirige la vapeur. Mais nous avons voulu vous montrer qu'une casserole de 20 cm en pleine puissance dans un magasin, donc on n'est pas dans une cuisine équipée, vous avez énormément de vapeur qui est aspirée. Donc, 30 cm avec un couvercle, mais 20 cm en pleine puissance est aspiré sans aucun problème sur une taque avec hotte intégrée Bora. Cinquième question, et ma friteuse? Si je souhaite cuire des frites sur ma plaque de cuisson avec une hotte intégrée, voilà c'est le résultat. Le test grandeur nature, votre friteuse, l'air part directement aspiré par votre hotte. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo Bora et les 5 questions fréquemment posées. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, également actionner la cloche si vous voulez être notifié de nos dernières vidéos publiées, plus ou moins une vidéo par semaine, on essaye d'être régulier. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram et même LinkedIn pour le réseau professionnel. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !